Salut à tous et bienvenue dans Faute Antique. Et cette fois-ci, je suis avec Nicolas Petit. Salut, de la chaîne Nicolas Petit. Aujourd'hui, donc on fait une vidéo croisée. Je lui ai prêté mon Polaroid 195, dont je ferai une vidéo un peu plus tard. Et moi, de mon côté, je vais tester une version un peu plus moderne, entre guillemets, puisque je suis pas sûr que le boîtier soit plus moderne, mais en tout cas, le dos est plus moderne, avec Oui. du Mamiya 6-7, encore plus gros que le Polaroid. C'est ça. Mais avec un dos du coup qui a été fabriqué par Anne de Zinstax. Et donc c'est un dos qui a été prévu et conçu à la main, on va dire, pour mettre des Instax, donc des films Fujifilm Instax, qui sont très largement produits maintenant pour le coup, et l'adapter sur un dos de Mamiya RB ou RZ. Il y a aussi la version RZ qui existe, mais moi j'ai le RB, donc j'ai pris le RB. Voilà. Retour au studio rapide pour un peu de contexte, puisque sur cette chaîne, je ne parle pas que de photos. Donc ici, le RB67, RZ67, vous allez peut-être vous demander ce que c'est. C'était dans les années 70 des appareils photo eh bien, professionnels qui étaient utilisés pas mal en studio photo et puis notamment en mariage. Donc ce qui permettait de faire des photos donc, de type qu'on appelle moyen format. Donc voilà ce genre de grande pellicule. Donc, et sur le film, ça fait un format 6 sur 7. Donc j'en ai pas ici, j'ai du 6-6 et du 6-9 ici. Donc ça faisait un peu plus petit comme ça. Et pour les studios, eh bien, ils fournissaient aussi des dos Polaroid puisqu'on peut changer le dos, en fait, l'arrière de l'appareil photo pour pouvoir mettre plusieurs types de pellicules différentes, mais aussi, eh bien, pour les studios, eh bien, on avait des dos Polaroid, donc qui n'utilisaient absolument pas de l'Instax à l'époque, puisque ça n'existait pas encore, ça date des années 2000, et du Polaroid type 100, donc ce que j'ai ici prêté à Nicolas cette fois-ci. Ce Polaroid, donc type 100, n'est plus produit depuis la fin des années 2000. Ce type 100 était beaucoup plus grand que la surface sensible, ce qui faisait qu'en fait on n'avait qu'un carré de 7 cm sur 7 cm. Et ça tombe bien puisque le Fuji Instax, comme je vous ai dit, donc qui date des années 2000, c'est un format grand public, très peu cher, comparé eh bien, à la rareté des derniers films Polaroid qui sont complètement périmés maintenant de type 100, et Fuji qui ont été produits quelques années de plus, mais pareil, qui deviennent hyper rares. L'Instax, c'est très facilement disponible. L'Instax Square, carré, est beaucoup plus petit qu'un Polaroid classique de type 600, par exemple. Mais d'un autre côté, eh bien, il est moins cher, ça coûte moitié prix, et il fait à peu près 7 cm sur 7 cm en surface sensible. Donc c'est pile ici ce qu'on a besoin pour faire la photo. Eh bien c'est parfait, le RB et RZ67, c'est pile ce qu'ils sont capables de couvrir au niveau de leur objectif. Donc ce qui permet ici eh bien, d'avoir des photos pile de la taille du RB67 sur le dos. Donc voilà, donc c'était la première fois que j'utilisais un RB67. Je dois dire que c'est un boîtier bien gros et lourd. Voilà, vous allez me voir l'utiliser. On revient à la vidéo. Demande comment on le charge? Ouais. Allez, c'est parti. Du coup, pour le chargement, c'est pas compliqué. Donc là, on a la cartouche Fujifilm Instax Square. C'est bien des squares, par contre, qu'il faut. Je le précise dans le test que j'ai fait sur ma chaîne. Et en gros, l'idée, c'est que voilà, le dos se présente comme ça. On a un petit bouton ici pour ouvrir l'arrière. Donc là, il y avait une ancienne. Hop là, je l'ai fait tomber. Super, ça sera gardé au montage. Ça, c'est une ancienne cassette du coup qui est vide. En fait, ça ressemble beaucoup, mais en plus petit, à celle Et qu'on c'est avait ça, ouais, sur le. ça ressemble vachement à ce qui se fait en plus petit. Alors normalement, on est censé mettre le slider, on est censé le mettre là. Tac. Ça change pas grand-chose, hein. On peut le mettre, mais voilà. Voilà, quand le truc il est vraiment monté, ça donne ça. Donc l'idée, c'est d'aligner le petit truc jaune ici avec la partie jaune en haut. Ça se fait assez facilement. On referme, clac. Et on mouline pour faire sortir, bah, comme toi en fait, la première couche, le dark slide. Tac. Donc on le fait mécaniquement, on tire pas dessus, on mouline, hein, c'est tout. Mais voilà. Et donc là, il est prêt à shooter et on va venir le mettre sur le Mamiya. Alors ça se fait très bien. Il faut juste désenclencher cette petite partie là, la partie basse, et venir aligner. En fait, on a des plots là ici en étain, je crois, et ou en laiton, pardon, pas en étain, en laiton. Tac. Et on referme ici. On s'assure que c'est bien fixé. On peut retirer le dos. Parce que ça aussi, je me suis fait avoir plusieurs fois à faire une séance photo avec des gens, à pas regarder mes Fuji qui sortaient, et je me suis fait avoir. Tout était noir. Parce qu'en fait, si tu laisses le dos, il n'y a pas de sécurité. Mais Autant sur le Mamiya RB de base. c'est pareil sur le film, non? Sur le film? Quand Ah bah tu sur le si film, tu c'est laisses noir du coup. le ouais, si tu laisses le Bah dark c'est-à-dire side, qu'en ça fait, fait aussi la plaque, la métallique, tu oublies de l'enlever. Tu peux toujours, c'est indépendant en fait, tu peux tout à fait mouliner, ça Oui. va sortir, et en fait, enfin, il n'y a aucune sécurité du Mamiya qui fonctionne.
Ah oui, donc c'est le... Oui, c'est C'est ça, ça. sur Autant sur le le... dos, il y a plein de sécurité. Tu peux pas te planter, tu peux pas déclencher si t'as pas enlevé la protection, etc. Enfin, le Dark Slide. Mais sur celui-là, en fait, c'est vraiment un système indépendant qui est absolument pas relié au reste. Donc vraiment, tu peux flinguer les 10 sans t'en rendre compte, quoi. Et voilà. Et après, tu viens mettre la plaque ici. Comme ça protège d'une ouverture intempestive, c'est pas mal. Et Sur voilà. le... Il y a quand même limite à main levée, je pense, pour prendre des photos là. Ouais, là t'es limite, ouais. Moi j'ai failli shooter une photo à 1,60 ou 1,30. Après, quand t'es sous les projos, ça va, mais. Alors, 30, c'est bon. L'obturateur, il est là. T'as la vitesse et l'ouverture directe Ouais, sur l'optique, ouais. Et je cherche la. il est en bas à droite. C'est le bouton que t'as en bas à droite. Un truc à savoir aussi, c'est que si t'as des hautes lumières, ça crame très vite. Enfin, c'est du film instantané, donc. Ouais, bah ça sera pareil sur Ouais, le ok. 3000. Et là, tu moulines. Vas-y, mouline, 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 mouline. Oula, non, je vais pas Si, casser le si, truc. bah, y a un sens où tu peux pas aller, de toute façon, donc. Vas-y. Il tourne pas dans le vide là. Non, 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 vas-y, vas-y. Vas-y, encore, 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 encore. Top, top, top. Voilà. Si Qu'est-ce je que t'en veux. penses? C'est tout clair, hein, quand même. Hein. C'est tout clair. C'est très blanc pour l'instant. C'est étonnant par rapport d'ailleurs au Polaroid, au vrai, enfin Polaroid de marque Polaroid, qui eux sont bleus quand ils sortent. Ouais. Ah, si, ça Ah si arrive. si, c'est apparaît. Ah ouais, mais c'est... Il fait pas très chaud aussi. Non. Bon, c'est la première, on l'accélère un petit peu. Mais... Ah, intéressant. Mais du coup, t'es pas en noir et blanc? Là je commence à me poser la question. Bah du coup, ça devait être ma dernière, mais elle devait être en noir et blanc. Pas de soucis, bon on fera du noir et blanc alors. Ouais, Par contre, ça je apparaît vachement pensais lentement que parce c'était... que par rapport Bah ouais, ça paraissait plus vite. aux autres. Mais là, il devrait être pas mal, hein. Mais c'est vrai qu'il fait pas hyper chaud non plus. Donc Ah ouais, non, t'es en noir et blanc. on s'est ensuite baladé eh bien, dans Nantes. Donc vous voyez un peu quelques birolles ici. On a notamment été jusqu'au centre commercial Beaulieu. Et ensuite, eh bien, moi je devais reprendre le train et Nicolas devait partir. Vas-y, vas-y, encore, faut vraiment que tu sentes. Stop, c'est bon. Quand il avance plus, c'est. Donc en gros on a eu une petite heure de photos ensemble. Donc on a passé un peu de temps au centre commercial Beaulieu où j'ai fait Et. deux photos je crois. Et puis ensuite à la gare où on a terminé. Donc tout ce Bon, jeu là, je suis en avec deuxième les règle. perspectives, les trains, etc. Bien joué. En fait c'est tellement... Ils ont tellement découplé le truc que... J'ai l'impression qu'il n'y a rien. En effet, j'ai pris un petit risque là. Même si j'ai eu assez peu de trains à prendre en photo, c'était quand même un exercice intéressant. Et puis moi j'aime bien prendre les trains aussi. À la tombée de la nuit, donc ça tombait vraiment bien. Et puis on a pu tous les deux eh bien, tenter des choses plutôt sympas. Tu la déroules, donc t'en as fait 5 en gros. En fait, quand tu déroules, tu vois le numéro, il va changer aussi. Et ensuite, eh bien, on s'est posé à la gare pour regarder un peu les résultats. Pour les résultats de Nicolas avec le Polaroid 195, je vous laisse regarder sa vidéo. Et pour les miens, par contre, eh Ah, bien, en les plus, j'en vois voici. deux en même temps. On va tirer mon truc. Oh, très stylé celle-là. Alors, ouais. Ah non, ça marche bien, t'avais... Ah non, celle-là est un peu trop foncée. La première était... Ouais, parce que en plus, tu vois, j'ai dit c'était du noir et blanc, mais en effet, ça fait presque Non. noir et blanc, quoi. Ouais. Oula, oui, celle-là est trop foncée. Ouais. Alors Ouais, ça, c'est au-dessus du pont, ça, ouais. ouais, c'est assez drôle, tu vois les zones qui sont cramées, Ouais. elles sont inversées. Oui. Donc il y a quand même une zone cramée là. Ah mais ça m'est déjà arrivé quand j'avais des forts trucs de luminosité, ça m'est déjà arrivé... C'est vrai que c'est super chaud la photo de nuit avec. Vas-y. Donc la surprise passée, je dois dire que voilà les photos que j'ai faites avec. Alors ça reste de l'Instax avec les problèmes que je connais de l'Instax, c'est-à-dire que franchement la dynamique est un peu catastrophique. C'est-à-dire que
La différence entre les zones les plus claires et les plus sombres sont très faibles. Pour la photo de nuit, il y a besoin d'énormément d'informations en fait, parce que justement là, on a des contrastes hyper forts entre les zones éclairées et les zones sombres, ce que l'Instax n'est pas capable de faire correctement. Je trouve que pour ma part, le film Polaroid est capable de faire mieux sur ce point, même si les couleurs sont un peu plus à l'ouest. Par contre, eh bien ici, par rapport à ce qu'on peut avoir avec un Instax de base ou un Lomo Instant ou tous ces appareils photo instantanés bas de gamme, on a quand même un niveau de détail qui n'a rien à voir. Et en plus, sous le fait qu'on peut faire des positions manuelles, ce qu'on ne peut pas forcément faire quand on a un Polaroid ou un Instax, qui va bien tout simplement balancer le flash pleine sauce en pleine nuit sans pouvoir faire autre chose. Donc autant dire que ces photos-là auraient été impossibles. Et qu'ici, eh bien là, on est en appareil photo tout manuel. Ça nous donne un peu de boulot à faire de notre côté, comme ce que j'ai fait ici. Donc à un 15e ou un 30e de seconde, eh bien ça marche bien. Et le poids aussi du boîtier nous permet de faire à main levée même des poses longues. Même si je dois dire que le poids du boîtier au bout d'une heure, franchement, je l'avais vraiment sur les bras, sur les épaules, en sachant que c'était pas mon boîtier. Donc fallait que j'y fasse très attention. J'avais pas de lanière pour le tenir. Je dois dire que j'ai eu un petit peu peur quand même de faire des gaffes, ce qui n'est pas arrivé, hein, je vous rassure. Mais avec le poids du truc, je me dis, utiliser ce genre d'appareil photo toute la journée complète sur du mariage, je me le sens pas. Surtout que à la fin de la journée, ça risque d'être tellement lourd que là, avec le poids et pas mal de bras qui risquent de sentir vraiment, c'est là où je risque de faire des gaffes. Pas forcément le boîtier que je rechercherais, mais franchement, c'était une expérience sympa. Et puis, pouvoir faire la comparaison avec les Polaroid plus anciens, je dois dire que franchement, ça aurait été dommage d'utiliser des vieux dos, des Polaroid pack 100, vu qu'au final, il n'y aurait que le centre qui aurait été utilisé, alors que là, on a vraiment l'image complète. Et en plus, eh bien, l'Instax coûte quand même beaucoup moins cher que le film Polaroid, même quand il était encore produit. Et là, maintenant qu'il est plus produit, autant dire que... Voilà, j'étais plutôt content de faire ce test. Je suis plutôt content de mes photos. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour la vidéo sur le Polaroid. Mais aussi, je reviendrai sur des vidéos autres. Donc où je parle pas photographie, où je reparle technologie antique et typique et histoire de l'informatique, là dans les semaines qui viennent. Sur ce, on se donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Si vous ne l'avez pas vue, n'hésitez pas à regarder la vidéo que Nicolas a faite sur le Polaroid 195. Et puis si vous êtes intéressé par ce genre de choses, n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne aussi. Sur ce, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Soyez authentique et atypique et à bientôt.